soir, madame Attan plantée dans sa 30e année. Monsieur Paréclusé avec des collègues militants pour une association défenseuse d'une égalité dont la seule qualité est de s'offrir de bons gueuletons. 11h, madame ramasse quelques cadavres de bouteilles, les reliques de la veille, le cœur de monsieur qui s'amasse. 11h, monsieur cocktail garanti et révolution, ennui et rébellion au comptoir des bagatelles. Monsieur a tellement tort de faire semblant d'être concerné que madame ne fait plus l'effort d'être un rien consterné. Pas pauvre, il divague et se sauve dans un fabuleux 68. Minuit, madame s'inquiète de ne pas entendre le moteur, la mégane de monsieur qui à cette heure doit pointer sa tête. 1h, madame espère que monsieur ne reviendra pas sous, qu'il ne lui fera pas le coup d'escalader ses chars arrière. 1h, monsieur dénonce tous les souffleurs de liberté, les points de retraite volés, la hausse des impôts qui s'annonce. Monsieur a tellement tort de faire semblant d'être concerné que madame ne fait plus l'effort d'être un rien consterné. Heures, madame aspire les recoins de la propriété avant de s'attaquer à la garde-robe de messire. Tandis que monsieur aspire à marxiser quelques serveuses, elles ont l'air si nerveuses quand on évoque leur avenir. 3h, madame s'émeut d'apercevoir sous le rideau les phares de la Renault qui disent le retour de monsieur. 3h, madame déchante, elle voit trois garçons qui chancellent au bras d'une demoiselle en vue d'une nuit indécente. Monsieur a tellement tort de faire semblant d'être concerné que madame ne fait plus l'effort d'être un rien consterné. Ce soir, monsieur attend noyé dans son verre esselé. Madame s'en est allée avec un collègue militant pour une association défenseuse d'une égalité dont la seule qualité est de s'offrir de bons gueuletons. Zénith FM. Zénith FM.